Allez, on est dans un début d'après-midi, là, 2h de l'après-midi. Ils ont tombé les aglos. Hein. Ah, j'ai une super équipe. Vous savez que depuis des années, ça fait 14 ans que je suis ici, dans ce village, et ça fait des années que je les emploie à faire le travail. Franchement, c'est le top. En plus, ils savent comment je travaille, surtout, voilà, proprement, tranquillement. Donc, allez, explication. Ici, il y a les deux bungalows. Il y en a un ici, un derrière. Voilà, ce que je suis en train de faire, c'est de rénover. Bon, ils étaient habitables, hein. Comme je dis toujours dans les vidéos, il y en a qui ont pris les bungalows pour dormir. Mais j'ai évité de faire des locations ici parce que je savais que j'allais faire des travaux. Voilà. Donc là, je fais les travaux parce que j'ai un petit creux ici. Pas devant la piscine, mais ici. Donc on travaille. Donc comme je vous ai dit, on fait le bac qu'il y a ici. Voilà. Donc pour ceux qui avaient vu avant, c'était comme ça. Voilà. L'armature, on la laisse, bien entendu. Donc on est en train de faire un banc. Hein. Donc une retenue de bac et un banc. Donc vous voyez, ça fait un peu plus joli. C'est agréable. Donc il va y avoir les enduits aussi, évidemment. Puis après, par-dessus, il y aura de la couleur. Ou alors, il y aura sur certaines choses du carrelage. Imitation, pierre et tout. Je suis en train de faire... Il y en a qui m'ont dit, tu fais une oasis, en fait. Donc c'est un peu ça. Hein. Ça veut dire que ça va être un lieu où zen, comme je vous ai dit. Comme il y aura le spa massage qui est ici. Là, vous pouvez voir, il y a encore une passerelle là. Ça va être très, très joli. Avec petite cabane de l'autre côté, là-bas. Le cabane, vous pourrez vous prélasser, évidemment. Voilà un petit peu ce que ça peut donner avec les aglos. Donc, c'est vrai que c'est du brut, hein, chaque fois. C'est du brut, comme je vous ai dit. Il faut voir fini. Il y aura d'autres fleurs. J'en ai enlevé quelques-uns d'arbres. Et ça sera plus fleuri, ça sera plus tendance avec les orchidées, avec des jolies fleurs de couleur. Beaucoup de fleurs, surtout mes treilles. La treille qui est là-bas va être un peu plus large prochainement. Ça va faire prochainement, c'est le prochain travail. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail, c'est juste rallonger la treille, la ferraille, pour que la treille vraiment elle s'épaissit et qu'elle se fasse en largeur, qu'on puisse tranquillement passer dessous. Et là, il y a sur la treille, il y a 4 lianes. Alors quand je dis lianes, c'est il y a les fruits de la passion. Donc quand c'est le moment du fruit de la passion, c'est tout en fleurs et on a les fruits de la passion. On a aussi actuellement, là c'est bientôt fini, mais ces petites fleurs rouges et qui sentent très très bon. Après, il y a ce système de bignonne jaune et mauve. Voilà, ça fait un petit mélange. Donc tout ça va faire très très beau. Bien sûr, les arbres que vous voyez vont monter, hein, comme vous voyez ici. Ils sont très hauts, donc il va y avoir quand même de la clarté, mais il va y avoir quand même de l'ombre, hein, grâce aux cocotiers, parce qu'ici, il n'y a que des cocotiers, il y a 3 arbres différents. Il y a cocotier, donc le plus grand, c'est celui-là, et celui-là. Là, voilà. Voilà, il y a le soleil, donc je ne pourrais pas trop vous montrer. Ici, ça, c'est un palmier royal, qui est comme celui du fond, comme celui-là, là aussi. Il y a aussi ce palmier. Là aussi, il y en a 2 dans le parc, du moins un peu plus parce que là-bas. Mais sinon, il y a ces fameux, ce que j'appelle moi les palmiers bambous, qui vont monter à 3-4 mètres et que ça va être très très beau. Donc, dans les jardinières, évidemment, une fois qu'on a mis les enduits et qu'on a bien scellé les aglos, c'est ce qu'on est en train de faire, on va évidemment quoi faire? Eh bien, on va mettre de la terre. Et de là, il va y avoir justement des plantes de pas mal de couleurs. Voilà, pas mal de couleurs. Il faut qu'il y ait de la couleur en bas. Et ça va faire, comme je vous ai dit, on pourra marcher tranquillement tout autour. Voilà. Voilà un peu ce que je suis en train de faire. Il y a déjà des personnes qui ont loué déjà les deux appartements là-bas. Parce que c'est grand. Hein. Vous avez vu que j'avais travaillé... l'appartement, le premier appartement là-bas avec les tchalas, je vais faire le second et après je fais le grand, mais ça sera autrement le grand parce qu'il y a quand même 4 lits, c'est familial, hein, c'est un familial, donc il va y avoir vraiment
je vais bien arranger un peu provençal aussi. Vous verrez pourquoi je dis provençal. J'aime bien les fausses pierres, un peu tout ça. Bon, il y aura le bassin, il y aura ce coin là-bas, au fond là-bas que vous voyez, qui servira sans doute de hamac, où on mettrait des hamacs ou des tables. Vous verrez par la suite. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vais faire quelques photos. Et n'hésitez pas à me dire votre impression, hein, si c'est beau, est-ce que vous voulez d'autres choses, je ne sais pas, il peut y avoir une fontaine, bon, la fontaine elle est là-bas avec les poissons. Mais question fleurs, question, voilà, vous me dites.